L'été des Charognes, c'est donc un premier roman où on va suivre en fait à la première personne un jeune garçon sur un été qui, on va durer 10 ans en fait. C'est-à-dire qu'on commence au début avec un premier été, on finit avec un été environ 10 ans plus tard. Et c'est un roman qui traite d'une enfance puis d'une adolescence dans un monde rural et très proche des animaux en fait. L'idée du roman, c'était à la fois de développer un point de vue avec un narrateur qui est très jeune et un peu brutal, et de le suivre en fait dans son environnement, qui a du coup une ferme en fait qui est tenue par deux familles. Et dans toute une première partie du livre, en fait, on va avoir donc tout ce qui est les gestes relatifs à la ferme, et dans cet univers un petit peu particulier où tout est produit sur place, de l'élevage à l'abattage des bêtes. Et ce qui va beaucoup marquer le narrateur dans une première partie et vraiment constituer son quotidien, pour ensuite en fait le voir sortir de ce territoire pour mener une vie un peu plus à risque et adulte, même s'il est encore très jeune, et pour le voir ensuite revenir dans ce territoire avec un point de vue un petit peu différent sur les choses. Je pense que pour un premier roman, enfin comme souvent dans les premiers romans, la part d'autobiographie est assez présente, mais je ne viens pas du tout d'un milieu aussi violent que celui que je décris. C'est pas mon enfance à proprement parler que je raconte. En fait, j'ai plus. Comment dire, j'ai sorti le caractère romanesque d'un territoire dans lequel j'ai grandi, et j'ai écrit une histoire par rapport au climat, on va dire, d'une manière générale, que ce soit la présence de la nature ou effectivement l'élevage et le monde paysan en lui-même, de là où je suis issu. À la base, voilà. Mais qui est un endroit un petit peu particulier, parce que je ne viens pas d'une famille traditionnelle. Voilà, mes parents étaient apiculteurs, mais c'est vraiment des néo-ruraux. C'est un choix de vie en fait, qu'ils ont fait à un moment donné pour élever leur famille, de venir s'installer à la campagne. Mais je ne viens pas d'une famille qui est rurale d'origine. J'ai un grand frère qui est comédien, avec lequel on réfléchit depuis longtemps en fait, à créer des narrations par rapport à l'endroit où on vient, parce qu'on a toujours senti qu'il y avait un fort potentiel dans les gens avec qui on avait grandi, ou même dans le territoire, qui peut paraître exotique en fait quand on pénètre pour la première fois. Il y a plein de choses qui peuvent marquer au premier abord et même être prétexte à des préjugés. Et du coup, pour moi, c'était un peu l'idée de me servir de ça comme levier pour créer une histoire, et tout en toile de fond, en traitant du rapport à l'animal, quoi. De vraiment garder ça présent du début jusqu'à la fin, de commencer par un meurtre et de finir par autre chose qui je ne révélerai pas. Pour ce qui vraiment traite de l'adolescence, il y a Greg Araki qui m'a beaucoup influencé. Enfin, ça fait vraiment, c'est les premiers films qui m'ont marqué adolescent, et beaucoup les films de Greg Araki. Il y a eu les livres de Virginie Despentes aussi. Wajdi Mouhamad aussi, beaucoup. Son roman Anima m'a pas mal servi pour comprendre en fait qu'on avait un réel qui était partagé avec d'autres êtres vivants, puisqu'on a des animaux qui ont aussi un point de vue dessus, du fait qu'ils le regardent. Et voilà, mais beaucoup de cinéma, des films de Jean Charlus aussi, La BM du Seigneur, ce genre de choses. Mais ouais, voilà, après c'est vrai que c'est un livre de l'oralité qui est assez visuel aussi, parce que oui, l'écriture cinématographique, c'est... Je suis plus influencé par le cinéma en fait que par la littérature à proprement parler. L'idée aussi, comme c'était vraiment une première œuvre, c'était aussi une manière de me tester moi, de juste m'axer sur l'écriture et de faire un objet fini qui était écrit, en travaillant juste un matériau pauvre qui est l'écriture, qui ne demande pas spécialement de moyens, et de voir si j'arrivais à faire quelque chose déjà avec ça, avant de passer au cinéma qui demande déjà qui est collectif, qui est forcément collectif, et qui demande beaucoup plus d'organisation et de moyens, voilà, qui est une autre manière de travailler, quoi. Que je connais pas, alors que l'écriture, je pouvais vraiment l'expérimenter tout seul et développer quelque chose par moi-même.